Et coucou! Salut tout le monde! Comment ça va? Ça y est, c'est reparti! Trop bien! Trop trop bien! Le grand retour! Oh là là, c'est très bizarre, un peu déséquilibré. On va rééquilibrer tout ça, pas de panique! Bonjour tout le monde, super contente de vous retrouver. Vous arrivez là maintenant tout de suite sur ce live. Vous êtes probablement en replay si vous n'avez pas le petit carré rouge en haut. Donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, vous vous connectez. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à faire un coucou. Allez, c'est parti, je commence par le traditionnel partage, hein, bien évidemment. Hop. Allez, go. Go, go, go! Premier make-up à la maison depuis le retour, c'est la rentrée! Allez, et de un. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un chouette week-end. Hop, ici on est bon aussi. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous vous connectez. Hop là, on copie. On partage. Toulou, partager. Alors, est-ce qu'il est partagé au bon endroit? Yes, sur le journal. Ok. On est où? Clam, clam. Clam, clam, le retour. Allez hop, let's go. En pleine forme, comme d'habitude. Hop là! Go! Allez, on va liker le petit partage et ça sera bon. N'hésitez pas à faire voyager ce live. Coucou Nathalie! Comment tu vas ma belle? Bon lundi à toi aussi! Hop, le petit partage, il est presque fini. On est tout bon! Let's go! Trop content de vous retrouver de la maison! Non mais, j'ai un vrai miroir, j'ai une vraie lumière! Trop bien! Moi, j'ai pas de vrais sourcils, donc on va rectifier tout ça. Mais ça va bien se passer. Comment tu vas, Nathalie? T'as passé un bon week-end? Mes petites tasses à étoiles, retrouvées! Le café en même temps que le make-up, retrouvé aussi! Trop bien! Trop trop bien! Allez, go! Alors, la base pour les yeux, c'est déjà fait. Donc, je viens faire le deuxième sourcil. Vous voyez quand même comment ça change l'expression du visage, le fait d'avoir les sourcils faits ou pas. Ça vient vraiment encadrer et structurer votre regard. Alors, je vois des petits yeux, mais je ne vois pas qui arrive sur le live. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on a des modifs sur Facebook, dis donc? Pourquoi je ne vois pas qui est-ce qui se connecte? D'habitude, il me le dit Facebook. Tadam. Et on vient remplir. Alors, ça va dépendre de la nature de sourcils que vous avez. Vous les avez déjà relativement fournis. Vous allez juste travailler par remplissage. Vous les avez très, très, très clairsemés comme moi. On va commencer par encadrer le sourcil et ensuite le remplir. Et je suis toujours, bien évidemment, avec le petit splurge. Ça, je crois que c'est mon coup d'amour de l'été, le splurge pour les sourcils. Hop là. Un peu froid. Oui, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Nathalie, tu es où, toi, Nathalie? Mais j'avoue que. J'avoue très sincèrement que oui, le retour en région parisienne, c'est pas tout à fait le même temps. C'est pas très grave. On est à la maison, c'est l'essentiel. Allez, go! Sourcils, ok. Tadam. On va venir brosser tout ça. Hop là. Et le tour est joué. Ça va quand même mieux.
quand même mieux, mieux, mieux. Allez, go! On continue avec 60. Ah oui, on n'est pas très loin, en effet, Nathalie, du coup. Pas très loin du tout, la région parisienne, donc effectivement, on a un temps assez similaire, je pense. Café en même temps que le make-up. Ça m'a trop manqué, ça aussi. Allez, c'est parti. Les yeux. Les yeux et les yeux. On commence par quoi? Bah, toujours pareil. Hein. Base. Puis je vais faire un truc un peu bizarre aujourd'hui, je pense. Enfin, bizarre. Ça peut paraître bizarre, mais après, ça match complètement. Donc, petite lichette de base. On vient préparer les paupières pour intensifier les pigments. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui, les filles? On tapote. On va pas oublier la transition, bien sûr. N'est-ce pas? Hop là! Le petit scotch, bien évidemment, aussi. Allez, go! Hey, coucou Véro! Comment tu vas? Allez, petit bout de scotch, comme ça on fait ça comme d'hab, de manière nette. Hop! Ah! Pourquoi il prend pas? Coucou Anaïs! Comment ça va? Je suis de retour chez moi! Comment ça va Anaïs? Je suis en pleine forme pour changer. Non, mais attendez, premier make-up de la saison. À la maison, lumière, miroir, tout est nickel. Hop là, let's go. On est bon pour le scotch. On déborde pas, tout ça. Hop là, petit café. Rien de prévu pour l'instant. Ben, c'est bien aussi de rien prévoir. Dans quelques jours, je vais commencer à vous dire, oh là là, quand est-ce que j'ai rien de prévu? Ça s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'est... De toute façon, aujourd'hui, je pense que jusqu'à lundi prochain, mon Dieu, lundi prochain, à la même heure, Poupette sera à l'école. Alors, je commence par créer ma petite transition pour structurer un petit peu plus la paupière. Coucou Christelle, comment tu vas? Alors, l'Espagne, c'était comment, Christelle? Yes, de retour! Ah mais trop Anaïs, tu peux même pas imaginer. Tu peux même pas imaginer à quel point. Et c'est clairement décidé. Hein. Je ne pars plus jamais cette semaine de chez moi. Plus jamais. 2 semaines, 3 semaines, oui. Mais 7 semaines, non. Non, non. Toi, t'as prévu de rester au lit toute la journée. Ah bah sympatoche le retour des vacances, hein, dis donc. Pas mal Christelle comme programme. J'ai failli dire j'aurais bien aimé rester au lit toute la journée, mais non, même pas. Même pas. Plein de jolies choses à faire aujourd'hui. On va encore faire des courses pour Poupette. Des petites réunions à caner ici et là. Le mois de septembre à préparer. Tout va bien. Tout va bien. Bon, mes petits yeux aujourd'hui, comment est-ce que je vais vous les faire? Ben, je vais faire un truc un peu spécial, mais... En même temps, coucou ma Karine, comment ça va? En même temps, c'est pas faute de ne pas l'avoir déjà vu. Alors, peut-être pas exactement comme ça. Encore faut-il juste que je trouve les bons pinceaux. Alors, où est-ce qu'ils sont mes coquinous pinceaux? Alors, je vais travailler avec le Kudos. Comment ça va, ma douce? Et je vais commencer avec ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est le Crush. Le rouge à lèvres en poudre. Mais vous savez que sur la gamme, les produits lèvres, on peut les mettre sur les yeux. Les produits yeux, on peut les mettre sur les lèvres. Eh bien, moi, j'ai décidé de mettre mon crush sur mes nails. Sur mes petits nails. Donc, je travaille l'extérieur avec un pinceau biseauté. Je vais mélanger le gris et le rose orangé, si je puis dire ça comme ça. Regardez la couleur que ça donne. Bon, on va mélanger tout ça, hein, mais c'était le feu. Décalé de fou, on se couche à 6h du mat, on se réveille à 15h. Ah ouais, remets-toi bien dans le rythme. Demain, boulot. À quelle heure tu dis? À quelle heure demain le boulot? Parce que demain, ça sera pas journée au lit du coup, Christelle. Hein. Ah bah moi, je suis en pleine forme, ma Karine. Je suis de retour à la maison, c'est trop bien.
Un make-up des yeux avec un splash et le culotte. Eh ben regarde, tu vois, c'est même pas le splash. Je suis carrément partie avec le crush que je vais travailler en base sur la totalité de ma paupière. Ils sont magiques ces produits. Ils sont vraiment magiques. Parce que du coup, vous passez vraiment de l'un à l'autre. Je suis même persuadée. Je suis allée trop vite en faisant mon teint. Mais le crush, du coup, vu le rendu qu'il a, je suis certaine qu'on peut l'utiliser en blush également. Alors, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des goûts. Mais c'est une couleur qui, à mon sens, devrait passer sans aucun souci en termes de blush. Coucou Patricia, comment tu vas? Ah ouais, non, y a une question de goût qui rentre en ligne de compte, hein, Anaïs, je pense, bien sûr. Mais après, il n'y a absolument aucune contre-indication d'utiliser. Bah, je crois que c'est toi, hein, qui disais, oui, voilà, splash. Les splash sur les yeux, c'est du déjà vu, alors qu'on est dans la gamme des lèvres. Les splurges sur les lèvres ou en guise de blush aussi, ça match. Donc voilà pour le premier œil. On pourrait même utiliser que cette couleur-là en base et une autre couleur, un marron ou peu importe, en coin externe. Là, je vais vraiment garder les deux couleurs principales les deux couleurs du kudos, à savoir le pigment gris, bleu, gris métallisé et le crush. Je vais venir déposer mon pigment par-dessus mon crush. Bon, il y avait la base pour les yeux, mais alors le pigment, le crush du coup, comme on est sur un fini crémeux, ben ça va encore plus venir accrocher. Le crush va encore mieux. Enfin, le pigment va encore mieux s'accrocher. Bonjour Marie, comment ça va? 7h demain matin. Ben alors savoure bien ton lit à 11h36 aujourd'hui, Christelle. Allô. Hop, et je vais venir retravailler encore en extérieur. Coucou Jessica, comment ça va? Bon, on a retrouvé un décor un petit peu moins estival, mais, à rien ne vaut un bon chez soi. Donc c'est quoi? Un petit chez soi qu'un mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, mon petit chez moi, ben, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. On va venir. Je vais laisser sécher un tout petit peu comme on a un fini crémeux avec le crush. Donc je vais faire mon deuxième œil. Tu viens à peine de te réveiller, je penserai à toi demain matin à 7h. Ah oui, tu commences à 7h ou tu te lèves à 7h demain, Jessica? Dis-nous tout. Allez, deuxième œil. Donc ça c'est cool parce que du coup avec le scotch, ben, j'ai juste à suivre la ligne et on vient remplir. Ça va toujours toi? Eh ben moi aussi ça va toujours Jessica. Et ça va même encore mieux quand je suis chez moi. Oh sympa ça. Étrange mais sympa. On a retrouvé ma pendule, quelle pendule, ma Karine? Allez, Nemo a encore frappé. On a retrouvé ma pendule. C'est quoi cette histoire de pendule? J'ai des trous de mémoire, c'est terrible. Coucou Isabelle, comment ça va? Oh là là, mon Dieu, tu te lèves à 5h30. Eh, t'as les mêmes horaires que ma mère. 5h30, départ de la maison à 6h25 pour commencer à 7h. Et là, tu te dis, ben moi j'aime bien mon job en fait. Et tu finis à quelle heure ta journée, Christelle? Tu fais 7h, quelle heure? Sur place, bien sûr, sans compter les temps de trajet. J'adore cette couleur sur les yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve canon. Alors là, je suis vraiment restée en mode kudos. Mais à mon avis, il y a plein de mélanges. Je suis en train d'en voir un là. Il y a plein de mélanges vraiment sympas, à mon avis, qui sont faisables avec ce crush sur les yeux. Après, c'est une question de goût, hein. Faut aimer la couleur. Je viens tapoter délicatement mon petit pigment par-dessus. Coucou ma Virginie, comment ça va? Derrière toi? Ah oui, d'accord, ok. Le logo du live. Ah ben non, attends, on la voit pas. Ouais, elle est là. Elle est toujours là, elle a pas bougé, hein. Non, c'est moi qui ai fait la folle à partir aussi longtemps, mais
Tout est resté en place et trop content de retrouver mes marques. Hop là. Ici, on est posé, le petit gris. Voilà, on va venir flouter le premier œil. J'adore cette couleur. 7-14. Ouais, mais tu fais quoi comme boulot, Christelle? T'as le même boulot que ma maman, c'est pas possible. Coucou Laura, comment ça va? Tu te sèches les cheveux 5 minutes. Ok, pas de souci, à tout de suite. Donc là, un petit pinceau. Alors, soit là, j'ai pris le creux de paupière qui est un petit peu plus court et les poils un petit peu plus durs. On va voir ce que ça donne, le floutage avec celui-ci. Et en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir, bah, il y a le flout-flout carrément. Oh, j'adore. Ouais, mais là il était pas assez sec. C'est pas grave, on va reprendre un petit chouille. On va venir ajuster ça. En préparant le repas, qu'est-ce que tu fais de bon à manger pour midi, Virginie? Et toi, t'attends que le petit se réveille. Bah dis donc, tranquille les filles. Coucou ma Céline. Comment ça va? Alors. Non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Pas très grave, pas très grave. Bon, est-ce que vous êtes prêtes pour la rentrée, les filles? Enfin, la rentrée des enfants, surtout. Grande distrie, ok. Perso, toi, t'es pas prête, mais fais en sorte d'être prête parce que dans 7 jours, pile poil à la même heure, tu y seras déjà. Je suis pas prête, ça va, hein, 2 mois de vacances, c'est bon, hein. Coucou Véronique! Ah, génial! Ah oui, c'est vrai que t'étais en mode déménagement, toi, avant l'été, si ma mémoire est bonne. C'est cool, ça s'est bien passé, Véronique? Tu vas quand même jusqu'à la boulangerie? J'adore. Profite de ta journée, Christelle, t'as bien raison. Profite, profite. Eh ben, moi, j'aime trop. Je sais pas vous, mais moi je l'aime beaucoup, ce petit crush sur les yeux. Bon là j'ai le pigment que j'ai pas laissé assez sécher, donc on voit un petit peu plus de gris, mais c'est pas très très grave. Hop là! Coucou Virginie! Mais non, pas maman démoralisatrice, elle est en pleine forme, elle est trop contente d'aller à l'école. Ouais, Karine, toi aussi tu comprends. Coucou Sonia, comment ça va? Bon, il est plus clair ici que là. Je vais réajuster encore un tout petit peu, hein, c'est pas grave. Donc je suis en mode crush, le crush du kudos. Vous savez que nos produits sont multitâches et multifonctions. Donc le produit lèvres aujourd'hui, je l'ai switché sur les yeux. Et le mélange de cette espèce de rose métallique orangé avec le gris, bah perso, j'aime bien. On n'est pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Alors, coucou Laetitia, comment ça va? Karine, non, pas tout de suite. Mais si, tout de suite, l'école. Je me suis trop bien, je me sens bien, super claire. Ah, génial, c'est cool, Véronique. Vivement la rentrée, ouais, tout le monde attend la rentrée, c'est clair. Enfin sur un live, yes! Coucou Laetitia! Comment ça va ma belle? Bon, on a fini le haut, donc on est prête pour le retrait de scotch. Rituel. 1, 2, 3. Retrait de scotch. C'est pas pareil quand on le fait à la maison en plus, hein, vous trouvez pas? Tiens, je vais me faire un petit rappel de couleur en dessous. Coucou ma Lolo! Comment ça va? Oh, faut pas avoir peur, Laura, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc je reprends mon petit crush. Et je vais faire le rappel de couleur en ras de cils inférieur. Hop. Hop, hop, hop. Ici, on est bon. Comment ça va, ma Lolo? Mais oui, ça va bien se passer, Laura. Bon, j'avoue que Poupette commence à me dire pareil, hein, c'est la sixième.
Mais ça va bien se passer. Hier, on a fait les courses. Wouh! Vive Scoléo! Trop bien! Tout est fait. Tout est fait. Enfin, si, je crois qu'il doit manquer deux classeurs ou un truc comme ça. Mais il y avait marqué attendre la rentrée. Donc, on attend la rentrée. Comme des mamans et enfants disciplinés, tout simplement. T'as la tête dans les coms. Eh bien, oui, je sais, mais il faut balayer les coms au pire du pire. Attends. J'essaye de remonter un petit peu, mais ouais, oui, mais oui, j'ai la tête dans les coms. Moi aussi, je vois ma tête dans les coms, mais moi, ça m'arrange. Faut balayer les coms, Céline. On floute un petit peu. J'adore. J'adore. Hop. Hello. Nouvelle vie de lycée. Trop pressé qu'il rentre à l'école. J'étais sûre que t'allais dire ça, Laetitia. Coucou Priscilla, comment tu vas? Ah, zut tout, Iloulou. Mais après, tu suis pas. Ah, bah écoute, je peux rien faire pour toi, ma Céline. Je suis navrée. Allez, petit liner. Le liner du Q-Dos, toujours. Oh, mon Dieu, j'ai retrouvé mon miroir, ma lumière. Hop là. Oula, vous êtes prêts, là, du coup. Ouh, c'était mis en vacances pour vous, non? Coucou ma jolie Dali, comment tu vas? Allez, un tout petit trait de gris en ratil. Et j'adore la nuance que ça fait entre le gris du pigment et le gris du liner. Ça fait pas un ton sur ton, mais ça fait vraiment un jeu de lumière entre l'un et l'autre, j'aime beaucoup. Coucou ma jolie Mélanie, comment ça va? Tu exagères, fais un effort. Non mais t'as fini, Céline. Baisse le téléphone, mais je peux pas baisser le téléphone, sinon il tient. Non mais hé, les filles, c'est quoi ça? Bonjour Nadine. Ah, enchantée Nadine, bienvenue. Rafido, pas de soucis ma douce, je te vois passer un petit peu, je fais des coucous, des petits likes, tu sais que je pense à toi, donc pas de stress, c'est gentil d'être passé. Oh, moi je suis en pleine forme, Priscilla, mon premier live de la. C'est le live de la rentrée. Ah les chiens, ça nous avait pas manqué sur les lives. Hop là. Allez, petit trait, mais vraiment juste histoire de dire qu'on s'est amusé à mettre du liner, mais ça fait quand même son petit effet. Petit trait de crayon noir. Il est magnifique. Et là, du coup, tu as vu, enfin, je sais pas si tu as, non, tu arrives en cours de route, je crois, Priscilla. En fait, j'ai utilisé le crush, donc le rouge à lèvres en poudre du Kudos, en coin externe et ras de cils. Puisque comme on a des produits multitâches et multifonctions, eh ben les produits des yeux vont sur les lèvres, les produits des lèvres vont sur les yeux, on peut les utiliser en blush, on peut même les utiliser pour les sourcils, puisque j'ai encore mon petit splurge pour les sourcils. J'adore. Donc oui, multitâche, multifonction, on peut vraiment faire des tas de choses avec, c'est top. Petit trait de crayon noir. Hop. Hop là, et on va passer au épique. Avec plaisir, Nadine, alors il faut que je te dise quelque chose, Nadine. S'il te plaît, ne me vouvoie pas parce que je me sens beaucoup trop vieille quand on me dit vous. Donc s'il te plaît, dis-moi tu, Nadine. D'accord? Tu veux bien? Sinon, je vais être triste sur mon live. Tu as la bloblotte? La bloblotte des yeux? C'est quoi ça, la bloblotte des yeux? Ça, ma soeur. Et prendre le rouge à lèvres. Ah! Ah, il est top ce Q-Dos. Il est vraiment top. Qu'est-ce qui passe? Ah, tiens, petit artiste, montre. Voilà comment les enfants s'occupent. Voilà Poupette. La création de Poupette du matin. Elle a fabriqué sa casquette. Bizarrement, avec de très très longs cils. Son petit clin d'œil. Bravo, Chouquette. Elle aimait la sécher. Là, on est en mode. Bon, là, je m'occupe un petit peu puisque maman était un peu occupée. Et puis, décoration de la chambre, tout ça. Mais j'adore, elle s'occupe. Trop bien. Vous, il faut quoi pour s'occuper, les loulous? Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Je remonte dans l'Aisne fin septembre. Fais que ça depuis. Ouais, les allers-retours. Merci ma Mélanie, c'est cool ma douce. J'ai les yeux qui tremblent. Comment ça j'ai les yeux qui tremblent? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Jessica? N'essaye pas de me perturber. J'ai repris mes marques, tout va bien, Jessica, d'accord? Allez, c'est parti. Épique, épique, échogramme. J'ai hâte de recevoir mon marron là. Savez qu'il est sorti en marron et en noir waterproof le épique. J'ai hâte de voir le marron ce qu'il va donner. Bon, marron sur marron, vous allez me dire, on verra pas grand-chose, mais. En fonction des couleurs de pigments qu'on aurait tendance à utiliser, à mon avis, ça peut faire des rendus très sympas. Et on y va. Et on y va, et on y va. On brosse, on vient récupérer tous les petits cils. Il est trop magique. Qui est-ce qui a pas encore essayé le épique? Qui n'a pas encore essayé son épique, les filles? Mon Dieu, se maquiller avec un miroir derrière le téléphone. On se rend pas compte de la chance qu'on a en fait au quotidien. On se dit ouais, on fait ça, mais c'est normal, j'ai l'habitude. Coucou Elodie, comment ça va? Et puis dès que tu t'éloignes un petit peu de tes habitudes, ah bah, t'es perdu. Tu te rends compte que c'était pas si mal que ça, tes petites habitudes. Hop là. Allez, on vient chercher tous les petits cils, on va étirer tout ça. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Épique, épique. Échogramme. Tu vois déjà la différence. Céline, est-ce que tu vois bien les cils au-dessus des commentaires? Nouveau masque. Ouais, ben moi aussi j'attends le nouveau masque. Comment ça, t'en as presque plus, Jessica? Eh ben, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire, Jessica, pour ne plus être à presque plus de épique? L'abonnement Prestige. Est-ce que t'en as entendu parler, Jessica? Ne me dis pas que t'en as pas entendu parler, je peux pas te croire. Jessica, au rapport. En plus, en plus, en plus. Ah bon, c'est pas encore. Alors en plus, avec toutes les idées qu'elle a, elle veut du basket, elle veut non peut-être pas des licornes, mais je sais pas ce qu'on va faire. Ah génial, elle est trop forte en plus. Elle est trop trop forte, Sab. Jessica, t'es où? Cils du haut, cils du bas. Oh là. En fait, pendant l'été, je vous disais que j'avais pas de cils et qu'il fallait que je reprenne ma cure. En fait, c'est juste le miroir qui me manquait. Ah, j'espère bien. Parce que là, on ne peut plus entendre ça de j'ai presque plus de épique. Non seulement tu peux être sûr de l'avoir systématiquement en fonction de ton utilisation, tous les 30, 45, 60 ou 90 jours, mais en plus, en te mettant client prestige, tu payes même pas tes frais de port. Donc c'est 26 euros tout rond ton épique. J'ai envie de dire, que demander de plus? Qui me maquille en même temps avec sa tétine trop forte? Coucou Anaïs, comment ça va? Hey, coucou ma jolie Zilia, comment tu vas? Comment elle s'appelle ta poupette? Priscilla? Que je lui fasse un petit bisou. Elle te met quoi comme make-up? Elle te fait le make-up avec le kudos? Un œil oui, un œil non. Non, je fais pas un œil oui, un œil non aujourd'hui. Hein. Mais non, Jessica, t'as pas écouté ce que t'as dit Céline. Les trois, ça ne fonctionne qu'avec le épique pour le moment. Je vous cache pas que j'ose espérer que ça va arriver pour le fond de teint liquide, pour les lingettes démaquillantes, pour le nettoyant visage, pour les crèmes de jour, pour la crème de nuit, pour les sérums. Ça serait bien que ça arrive de manière automatique. On les reprend tout le temps de toute façon. Enfin, moi perso, je les reprends tout le temps dès que c'est terminé. Mais le marron, le noir ou le noir waterproof, tu choisis le épique qui te fait plaisir, qui te fait envie. Tu le mets dans ton panier, tu choisis la fréquence à laquelle tu le reçois. Bam, 26 euros frais de port offerts. Et tu le reçois à la fréquence que tu auras choisie. Et comme ça, plus jamais en panne de épique. Qui est déjà tombé en panne de épique? Levez la main. Et dans quel état étiez-vous? Le désespoir. En panne de épique, plus jamais.
Plus jamais. Allez hop, deuxième œil. Ah oui, non, mais ça serait magique qu'il le fasse pour tout. Sincèrement, ça serait vraiment magique. Ah, mais attends, t'imagines? Tu choisis juste la fréquence à laquelle tu les reçois, ça arrive tout seul à la maison. T'as pas besoin de te retrouver en panne, surtout quand t'es tête de Nemo comme Ceci. Hein? C'est du genre, t'attends de plus en avoir pour te rendre compte que t'en as plus. Enfin, tu vois que t'en as presque plus. Tu te dis, ah, il faut que je recommande. Ouais, il faut que je recommande. Puis tu fais une chose, puis l'autre, puis mille, et puis tu oublies de recommander. Et c'est le jour où tu en as plus que c'est désespoir. Alors, ça va que les livraisons sont pas supra longues, mais par exemple, un truc comme ça, regardez la taille en plus du paquet. Si ça y était sur les lingettes, regardez, il doit m'en rester deux ou trois là-dedans. Comment je vais faire sans mes lingettes? Ceci et ses lingettes, vous la connaissez l'histoire de Ceci et ses lingettes? Sans lingettes, je meurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Coucou les loups! Alors, t'as mis le rouge à lèvres, le blush et le mascara, mais qu'est-ce que tu as mis comme rouge à lèvres, Lilou? Dis-nous tout. C'est-à-dire, on perd des commandes, Nathalie? Panne de épique et de lingette. Ah ouais, non, mais oui. Alors, panne de épique, oui, aussi. Alors après, c'était pas trop, trop grave parce qu'il y a aussi le 3D. Mais panne de lingette, je meurs. Je meurs. Va leur dire de quoi, de qui, Jessica? Je me suis perdue entre-temps. Voilà, tu vois, Nemo. Nemo, le retour. Allez, on étire, on étire. On vient chercher les petits cils. On travaille sa courbure. Les petits cils en coin interne. Et les cils du bas. Bon appétit, Laura! Il est déjà midi? Ah ouais, il est déjà midi. Il va peut-être falloir que je fasse à manger Poupette. Ouais, ça, c'est le côté un peu plus casse-pied des vacances. Enfin, du retour des vacances. Les repas à gérer. J'avoue que maman a géré pendant 7 semaines. C'était bien cool. C'était bien bien cool. Donc là, forcément, faut s'y remettre. Et voilà! Quelques petits ajustements une fois que ça sera sec. Tout ça, tout ça. Hop. Oh, bisous ma Lolo. Bonne journée ma douce. Alors oui, chouette week-end, Elodie. Vraiment, voilà, reprendre mes marques, préparer le mois de septembre qui s'annonce. Trop bien. Donc me remettre en place tout ça pour repartir vraiment au taquet. Donc ça, c'est cool. Qu'il fait pour... Ah, ça faisait longtemps, j'ai pas sauté, vous voyez, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Entre la magie de Scoléo, où tu fais tes courses en ligne, et la magie de... C'est le Berchel. Le Berchel, le Becherel. Berchel. Tadam! Commandé hier, reçu aujourd'hui. Voilà, mademoiselle. Cache ta joie. Avec plaisir, mon amour. Voilà, il manquait juste le Becherel sur le... Sur Scoléo, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne me prends pas la tête. Vive Amazon, et puis c'est fait. Alors, je ne sais, elle fait semblant avec sa tétine. Oh, trop drôle. Ah bah oui, tu m'étonnes. Si elle est encore en mode tétine, c'est encore un petit peu tôt peut-être pour le make-up. Non, pas du tout, Nathalie, puisque leurs commandes, elles sont faites de manière automatique. Donc ça fait pas moins de commandes, la commande est préenregistrée. Et elle part à date. Au lieu qu'on ait une cliente qui nous appelle tous les mois ou tous les 2 mois, disant je te recommande mon Epic, bah là c'est fait de manière automatique. Donc Epic automatique, oh c'était beau ça. Oh, ça m'avait pas manqué par contre quand le livreur arrive et que t'as 2 étages à descendre et à remonter, bah, je suis encore essoufflée.
Allez, on va faire les petits points de lumière. Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da. Hop, hop, hop. Deuxième œil. On va faire creux de l'œil en même temps parce que j'en ai trop mis. Coucou Michel! Comment ça va? Vous êtes rentré? Hop là, petit point de lumière. Tac, tac. Creux de l'œil. Alors, si mon voisin m'entend de la même manière que j'entends ses travaux, ça va être sympa. C'est, voilà, retour des vacances, on reprend ses bonnes habitudes. Ta-da-ta-da. Ici, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres aujourd'hui? Bah, on va finir avec le. On continue avec le cul-d'os? Il y a un côté plus gris que l'autre, là, ça me travaillote un tout petit peu. Mais pas dramatique. Alors, Cassandra et Sabrina du Mans. Ah, c'est cool. Ah, bah ouais, vous êtes toutes dans le même coin, vous. Est-ce que tu leur as parlé du 8 décembre, Elodie? Est-ce que tu as bien fait la transmission? Je vais me remettre un petit coup de épique parce que j'aime trop mon épique. Hop là. Hop. Tiens, on a un rayon de soleil qui se lève. Ici, on est bon. Jessica, je ne te plains pas. Moi, j'en ai quatre d'étages à descendre et à remonter. Comment te dire? Ah ouais, non, non. En effet, moi, je te plains par contre, Jessica. Ah, alors voilà une bonne nouvelle, Elodie. Heureusement que je fais des lives pour avoir les infos, hein, sinon je pouvais attendre ma réponse, moi, pour le 8 décembre. Je l'adore, ben ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. À noter avant d'oublier. Hop. On tire, on tire. On allonge, on allonge. Et voilà. Ouais, il y en a deux qui s'en mêlent ici. Et voilà. On est bon? Lèvres. Systématiquement avec la base pour les yeux en amont pour les lèvres. Oui, il y a écrit yeux, mais multitâche, multifonction. On vous le répétera plus assez, hein. Donc ça va servir à quoi? La base pour les yeux qu'on va mettre sur les lèvres, ben ça va permettre de donner un effet sans transfert à nos rouges à lèvres. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est bien, t'as bien fait les transmissions, Elodie, c'est top. Allez hop, let's go. Eh bien, on revient avec le crush. On va faire un petit raccord, les yeux, les lèvres. Et donc là, on est bel et bien sur une poudre qui va se transformer en crème au contact. C'est un petit des lèvres, c'est au contact de la peau. Parce que ça a été pareil. Alors ça, j'adore. Alors c'est un rang. Ça n'a pas fait exactement pareil, ça n'a pas fait pareil du tout. Tes genoux n'en peuvent plus, bah, je veux bien te croire. Moi, j'aurais plus de jambes avec 4 étages sans ascenseur. Alors, ça n'a pas fait pareil avec le. Avec. Sur les yeux. Et alors, ce que j'adore avec le crush, c'est que ça fait une petite sensation de chaleur quand on vient de déposer sur les lèvres. Donc, pas désagréable du tout. J'adore. J'adore cette couleur. Bon, maquillage très très marqué, hein. Une journée en mode survette. Mais c'est pas très grave. Alors, est-ce que j'ai débordé? Un petit peu. Coucou Elodie. Comment ça va, ma belle? Comment ça va? Très chic, le comment ça va? Le tour est joué. Presque joué. Petite touche de parfum. Oh, merci ma Virginie, mais tout va à tout le monde. Il suffit de
se faire plaisir, d'avoir envie et je le répéterai jamais assez, vous avez vraiment le pigment qui vient vivre avec votre peau, qui vient s'adapter avec votre carnation, donc de l'une à l'autre, ça ira forcément. Après, c'est juste une question de goût. Ce petit truc gris là me fatigue, mais je l'aurai à l'usure. Le tour est joué. Make-up terminé. Terminé. Voilà les filles. Mais je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire un grand merci de m'avoir accompagnée sur ce live. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de profiter de ce que vous aimez et de prendre soin de vous. Je vous embrasse hyper fort. Et je vous dis à plus tard. Bisous les filles. La nièce te dit bonjour. Bisous à ta nièce. Plein de bisous les filles. Ciao. Merci Elodie. Bisous.